Mon dieu, mais mon dieu, ces formes géométriques de l'extrême des années 80, des meilleurs tubes de Jean-Michel Jarre qui t'arrachent la rétine. Je sais pas ce que t'en penses, celle d'elle, je sais pas, tu trouves ça comment perçois c'est la chose. C'est design, c'est concept, je pense qu'on pourrait l'appliquer sur le papier peint de la cuisine. Oui, bien sûr, à la maison, ça serait très pratique. Juste à côté de la cafetière, là, ça ferait terrible. Comme ça, tu es hypnotisé pendant que tu prends ton café, déjà que t'es à moitié drogué à la caféine à longueur de journée. Eh bien, écoute, je te propose qu'on démarre. Alors, bonjour tout le monde, quand même, saluons un petit peu et bienvenue. Salut les gens. Voilà. Bienvenue pour une preview d'un jeu de l'amour, en tout cas d'un jeu de ton amour à toi, que tu as beaucoup apprécié, qui s'appelle Master Spy, c'est bien cela, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et un jeu intéressant, alors tu vas peut-être nous parler un petit peu de son scénario, on va essayer de voir un petit peu du gameplay, mais là déjà voilà, mission 1, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le but de ce jeu, dis-nous tout. Alors l'objectif c'est, aux mains de Master Spy, c'est de récupérer en fait les petites cartes qui est en bas à droite, pour ensuite réussir à atteindre la porte qui est à droite, en haut à droite, tout en esquivant les gardes. Alors, donc on va voir un petit peu à la façon d'un puzzle game, plein de situations à résoudre, sachant que notre personnage n'est pas juste quelqu'un qui doit esquiver les gardes à la loyale, il a une combinaison invisible. Attention, j'illustre très très bien tout ce que tu dis, hein. Ne dis pas que je meurs sinon je vais mourir, parce que je précise c'est bien moi qui joue, et c'est une galère infâme. Oui, continue. Donc, si les gardes nous voient quand on est invisible, il n'y a pas de souci, sauf si on rentre en contact avec eux. Attention, j'illustre. Voilà, et donc là on se fait rattraper, donc on doit faire R to retry, et c'est reparti depuis le début. On enchaîne comme ça tout un tas de niveaux, faut quand même le dire. Chaque mission est coupée en plusieurs stages, on va dire, en tout cas plusieurs tableaux, et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez difficile quand même. On peut préciser qu'on n'est pas sur une version standard du titre. C'est ça, en fait il y a une démo qui est accessible depuis le site de Turbo Gun, qui est le studio de développement, et ils ont une version qui est un petit peu plus longue et qui est un petit peu changée. Par exemple, ce niveau est un peu différent comparé à la version disponible sur leur site. En fait, c'est la version qu'ils avaient montrée lors de l'Indie Dev Super Show. Oui, d'accord. Qui présente les évolutions. Donc, par exemple, il n'y a pas les salles de garde, elles n'y sont pas dans le... Eh oui, faut pas se faire avoir. Ah, et dis donc, ça va. Hein. Et donc, ouais, il y a des trucs qui changent un petit peu à gauche à droite. La version qu'on a est beaucoup plus dure, donc si vous voulez faire la démo, faites-la. Elle se fait en, allez, 10 minutes grand max, mais ça permet vraiment de se rendre compte du gameplay du jeu et de se rendre compte à quel point le système est sympa en fait. Ouais, bah en plus que ce que tu dis est intéressant vis-à-vis de l'Indie Dev Super Show qui était quand même une... Enfin, on va dire un live qui n'a été malheureusement que très peu suivi. Mais c'est vrai que cette version, on sent qu'elle est beaucoup plus aboutie d'un point de vue du level design. C'est plus carré, il me semble, que tu disais que c'était plus difficile, mais c'est surtout que du coup le gameplay était vraiment exploité, si je dis pas de bêtises. Grosso modo, en fait, les mouvements du personnage sont le même. Ouais, mais c'est au niveau du level design, la façon dont tu t'en sers, il me semble que c'est plus carré, non ? T'as moins de... Enfin, t'as pas de la plateforme qui sert à rien, quoi. Chaque zone, chaque bout de plateforme et tout ça. Ah oui, mais déjà dans la première démo, t'as pas de temps mort ou quoi que ce soit. Non, le... En fait, quand on finit une mission, on a des caractéristiques qui... de temps, le temps qu'on a mis, par exemple. Et c'est vrai que si on veut vraiment faire le jeu en notion speedrun, on se rend compte que le level design est extrêmement bien fait, en fait. Ouais. Car tous les éléments servent, en fait. Oui, tout est calibré pour que, justement, tu puisses faire tout d'une seule traite, plus ou moins, en tout cas avec beaucoup de skill, mais sans pour autant que ce soit... que ce soit de l'abus. Ça fait pas partie de ces jeux où tu t'en sors à peu près à l'arrache, quoi. Là, tu peux vraiment être très très fort à ce jeu, et ça peut être très très beau à regarder, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. Alors là, on a un nouveau type d'ennemi qui est le chien. Allez, cours. Oui, écoute. Ah, tu le fais tomber. Oui, écoute. Oui, pardon, excusez-moi, je... Non, mais j'aime bien les animaux dans les jeux, moi, c'est toujours un truc qui m'a régalé. Et donc, c'est vrai que là, on va devoir affaire justement à ce nouveau type d'unité. Alors, il y en a comme ça qui sont plutôt intéressantes. On va essayer d'avancer quand même assez loin dans le jeu pour montrer peut-être un autre type d'environnement, parce que bon, on ne fait pas tout là-dedans. C'est pas comme un Gunpoint, par exemple, où on a toujours le même style d'environnement. Là, il y a quand même un gros travail graphique. Toi, c'est un jeu que tu as trouvé joli quand même. Oui, il est pas magnifique, mais c'est vrai qu'il a du charme, et surtout c'est le entre les niveaux ou en introduction, il y a des espèces de petites cutscenes qui sont faites en pixel art. Alors ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on peut retrouver sur la Mega Drive un petit peu. Ouais. C'est-à-dire des plans fixes qui bougent et des images qui se rajoutent avec que des petits éléments du visage du personnage qui changent. Ça a son charme. Après, bon, si on en a marre du pixel, forcément on n'aimera pas. Ouais. On n'aimera pas, mais bon, après c'est le pixel est plus au service de l'histoire, on va dire. Ouais, mais tu vois, justement, on critique souvent, tu sais, l'aspect un peu pixel art et tout ça, mais je trouve quand même que là, pour le coup, les gars, ils ont fait un truc de malade au niveau du... Enfin, le gars, non ? Je crois qu'il est tout seul. Non, ils sont trois. Ils sont trois, d'accord. Il y en a deux qui codent le jeu, et il y en a le musicien qui...
à part. D'accord, parce que là, tu vois, bah, typiquement dans ce genre de niveau, tu te dis quand même, il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros niveau de détail. Et c'est vrai que bon, moi, la musique, je t'avoue que je suis pas super fan, mais à côté de ça... Moi, j'aimais bien, je la trouvais sympa. Ouais, ah bah tu vois, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aimerais quand même montrer le deuxième type d'environnement, si tu veux bien, histoire qu'on illustre un peu le truc. Je pense qu'on a le droit, hein, on n'est pas limité à ça... sur cette version là parce que disons le hein, on a demandé l'autorisation bien sûr de faire cette vidéo aux messieurs qui développent ce jeu. J'ai failli me faire avoir encore une fois de façon complètement sale. Allez, on va faire les choses bien, attention le petit toutou. Comme ça c'est bon, c'est réglé. Et oui, donc le deuxième type d'environnement, et je trouve vraiment vraiment très très beau. Donc là on a une petite scène cinématique, on va peut-être la laisser pour que les gens puissent en profiter. Ouais, tout à fait, que ça posera l'histoire du jeu en fait. Et ben écoute, voilà, c'est parti. Donc je t'en prie, raconte nous qu'est-ce qu'il se passe ici. Donc on a Master Spy qui arrive derrière un homme qui apparemment ne s'attendait pas vraiment à être ici, et il se présente en disant qu'il est ici pour l'entretien d'embauche. Forcément le monsieur ne s'attendait pas à ce qu'on arrive aussitôt et tente désespérément d'appeler lancer l'alarme, sauf que Master Spy lui annonce qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, il s'est occupé de se débarrasser de l'alarme. Mm-hmm. Heureusement, il le reconnaît. C'est tellement cliché. C'est génial. C'est trop génial. Excuse-moi, continue. Ah oui, c'est complètement... Ouais, non, c'est complètement comme ça. Mais j'adore. Donc là, on apprend que c'était pour un entretien d'embauche et on va savoir un peu de quoi il en retourne. Donc ici, l'homme nous dit qu'il est à la tête d'une grosse entreprise et il nous annonce ici qu'il y a une cassette contenant des informations top secrètes concernant des communications qui a disparu, ouais, ou a été dérobée. L'objectif étant bien sûr de le retrouver pour Master Spy, sachant que, d'après ce que nous dit le chef d'entreprise, si quelqu'un tombe sur lit et propage un petit peu le contenu de cette cassette, ça peut avoir posé de gros problèmes mondiaux. Master Spy demande si c'était carrément la Troisième Guerre mondiale, et l'homme lui répond pire. Pire que ça, pire. C'est quand même un truc de fou, quoi. Attention les yeux. On a l'impression de voir un peu le genre de jeu, comme tu disais, Mega Drive, très comics dans l'âme, en fait, très, très américain, j'oserais dire. Hein. Désolé, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que l'aspect graphique compte beaucoup, encore une fois, et même si c'est clichouille au possible, je trouve que ça rend vraiment très, très, très bien. Alors là, on a, voilà, donc on a nos stages. J'ai mis 5 minutes pour faire le rang C, donc pour avoir le rang S ou A+, tu me disais qu'il fallait faire moins de 3. C'est A+. Alors dans la démo disponible sur le site, c'était moins de 3 minutes, ouais, à peu près. D'accord. Sneakiness, c'est le nombre de fois qu'on est mort. Ouais. Donc là t'es pas trop mort, donc t'as B. Sachant que pour avoir A+, faut pas mourir une seule fois, donc là faut le vouloir. Dans la démo c'est faisable, dans celle-là un petit peu moins. Efficiency, je ne me souviens plus. Efficacité, et danger, ouais, c'est... Mm. Oui, et danger en fait c'est la... Est-ce qu'on a... Ah si, pardon, efficiency c'est est-ce que t'as beaucoup utilisé le truc pour te cacher. D'accord. La combinaison pour te cacher, et le danger c'est est-ce que t'as souvent été collé à des gardes. D'accord. Ah oui, c'est donc, c'est est-ce pas que mal. T'as pris des risques en fait. Alors, du coup voilà, il faut comme tout à l'heure, dans la première fois que tu jouais, tu utilisais beaucoup le truc pour te cacher là, mm-hmm, la combinaison. Du coup tu vois que ça te fait baisser ta note si tu l'utilises trop pour rien, entre guillemets. D'accord, ouais. Sachant que quand on met la combinaison en plus, on peut beaucoup moins bouger. Oui, de toute façon ça se voyait, les déplacements étaient beaucoup plus lents. Alors petite info quand même, on voit que là, on nous dit donc merci d'avoir joué à la démo. Nous on va pouvoir aller un petit peu plus loin pour vous montrer les choses aussi jolies et tout ça. Sachant que voilà, vous voyez, on peut voter pour ce jeu sur Greenlight. Et ça c'est très important puisque justement ça permet de le faire connaître. Et surtout de lui permettre de profiter une ultime fois, on va dire, de ce système avant qu'il ne disparaisse malheureusement dans notre souffrance. Comme vous avez peut-être appris la nouvelle, soit par nous, soit par d'autres personnes. Alors là on a une nouvelle cinématique, est-ce que je la laisse ou est-ce que je la passe, est-ce que je spoil, est-ce que je ne spoil pas? Oh, tu peux passer là. On la passe. Allez, c'est parti. Et donc là, en fait, on arrive dans notre première mission, donc notre deuxième mission, en fait, pour être plus exact. Sachant que, voilà, donc on est dans un environnement beaucoup plus vert, et à côté de ça, moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment cet environnement magnifique. Je trouve que les couleurs sont super. Tout ce qui est utilisé en matière d'effet de lumière, si on peut parler d'effet de lumière, mais en tout cas de façon dont elle est gérée, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et mieux que ça, c'est ce qu'on a tout après. Alors par contre, je suis en train de galérer. Parce que là, c'est un nouveau type d'ennemi avec le laser. Ça commence à devenir un peu plus corsé. Ouais. Déjà, les niveaux à la fin de la mission 2 sont absolument abominables. Il y a des... Pour spoiler un petit peu, il y a même des tigres à un moment qui nous attendent. Ouais. Alors là, c'est catastrophique. Si on reste 2 secondes sur la même salle que, enfin la même hauteur qu'eux, ils nous sautent dessus en une fraction de seconde. Il y aura d'autres catégories de lasers, des détecteurs de mouvement, des dalles sur lesquelles on marche. Il faut pas qu'on soit dessus plus de 3 secondes ou qu'on tombe dessus d'un coup. Ouais.
ça met énormément de gameplay, et c'est le genre de gameplay où quand on meurt, comme faut recommencer tous les écrans d'un même niveau, d'un coup sur l'autre, tu oublies que t'avais pris une habitude d'esquiver telle chose de telle façon, et quand t'arrives à avoir une nouvelle, à passer une zone difficile, t'oublies les bases en fait, d'esquiver un autre truc qui arrivait, parce que tu t'attendais pas à passer. Et c'est ça qui est drôle, c'est que tu, d'une partie sur l'autre, faut vraiment réussir à garder ses réflexes d'esquive de tout. Ouais, tu as presque un parkourisme en fait qui opère un peu comme c'est dans ça. Des jeux comme Volgar ou genre de truc là où plus tu crèves, plus tu apprends le niveau, mais bon, à côté de ça, faut pas non plus oublier ce que t'as fait avant quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Bah là, tu vois, enfin, typiquement, là, ça illustre complètement ce que je voulais dire. Moi, je trouve que ce jeu est très très beau. Vraiment, c'est. Ça, ça me laisse assez rêveur. Autant le sprite du personnage, j'avoue que encore une fois, je suis pas super fan. Tu vois, on a l'impression qu'il est un peu bossu. Alors que, bon, bah, tu t'imagines plutôt un mec super classe. Moi, ça. Tu me dis ce genre de jeu-là, j'imagine le mec un peu. Tu vois, pas le James Bond, mais en tout cas, qui se tient bien droit et tout. Ouais. Et là, bon, c'est vrai qu'il est. Il est un peu de traviole. Mais à côté de ça, c'est vrai que le travail sur les environnements me laisse complètement pantois. Alors il faut y aller là quand le laser est en train de partir sur la droite. Ouais, c'est bon, je me demandais si on pouvait descendre sur la gauche, mais en fait oui. Et là encore une fois on doit faire avec les toutous, mais ça c'est pas bien grave. De toute façon je n'y arriverai pas. De toute façon je te propose qu'on quitte là-dessus, je pense qu'on en a dit suffisamment sur ce jeu, et puis ça serait quand même dommage de tout montrer, sachant que il me semble que cette démo sera distribuée un jour au grand public d'ici peu de temps, non? C'est pas un truc qui est... Oh, je m'imagine oui qu'ils vont faire une version un petit peu avancée de démo, parce que celle qu'ils ont actuellement sur leur site est vraiment vraiment courte. Sachant que le jeu va sortir milieu d'année 2014. Ouais. Donc bon, on a plus très longtemps à apprendre. Hein. Ça fait. Et c'est un jeu qui sera en navigateur ou c'est un jeu qui sera téléchargeable? Ben non, remarque, si tu me dis s'il est sur Steam, non, ça sera un exe ou un truc comme ça. Oui, probablement. Oui, évidemment. Ok, d'accord, ça marche. Évidemment. Évidemment, bien sûr. Voilà, on est content d'être là. on le salue si jamais la référence est passée. Bref, et bien écoute, je te remercie, monsieur Seldel, pour cette splendide présentation d'un jeu splendide et qui, on l'espère, vous aura plu en tout cas, parce que c'est vrai que nous, il nous a bien plu. Toi, c'était un jeu qui t'a carrément transcendé. Tu as dit, mais il est génial, faut qu'on en parle sur une Dimag absolument, c'était essentiel. Ah, complètement. La démo, je l'ai faite au moins une dizaine de fois juste pour avoir les A+ dans toutes les notes. Bah oui, non, mais j'ai fait un screen quand j'ai réussi à l'avoir de fierté. Ça se comprend, oui, mais je crois que tu me l'as même envoyé. ça se comprend. Et donc, du coup, juste dernière petite info, le temps que je meure encore une dernière fois sur ce niveau, parce que je n'y arrive décidément pas. C'est vrai que voilà, il y avait l'événement du Indie Super Show. Attends, Indie Game Dev Super Show. Indie Dev Super Show, voilà. Indie Dev Super Show. Que tu retranscris donc en différé sur IndieMag. Et c'est vrai que si vous avez un peu de curiosité et que vous voulez découvrir tout un tas de jeux qui ont été présentés au cours de ce grand live de jeux indés, et bien voilà, monsieur Seldel vous fait un tip top article, et franchement vous avez plein de choses à découvrir, des jeux bien, des jeux moins bien, mais au moins vous allez voir un peu des jeux dont on n'entend pas parler clairement et qui pourtant mériteraient largement un petit peu de pub ici et là quoi. Voilà, c'était sachant que certains sont déjà sortis, dont Tetrobot & Co par exemple, tout entre autres. Voilà, et bien écoutez, merci à tous, et puis à très bientôt sur IndieMag. Ciao.